Bonjour mes petites chouquettes au sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un haul avec différentes marques bien sûr, mais aussi différents lieux d'achat. Alors certains, je me souviens plus bien où je les ai achetés, donc du coup je regarderai mes factures et je vous dirai tout sur le blog. Je mettrai donc comme d'habitude la liste des produits et puis le cas échéant, parce que je sais qu'il y a certains produits, j'ai un petit trou de mémoire quant au lieu où j'ai acheté mes produits. Donc sans attendre, on y va. Pour commencer, donc voilà, là il y a une boîte vide, mais j'ai acheté le même Beauty Blender et j'ai pris, je crois qu'il s'appelle le Swirl ou quelque chose comme ça. Il est super beau, il y a du violet, du rose, voilà, il est marbré. J'en ai acheté deux, j'ai acheté les deux mêmes. Donc voilà, il y en a un que j'utilise déjà et j'adore, voilà, donc ça bien sûr, chez Sephora. Chez Sephora, la découverte d'un produit pour le teint, donc ils en ont, je crois, trois. Je crois qu'il y a une base matifiante, ou il y en a peut-être que deux, il faudrait que je vérifie. Et moi j'ai pris donc leur base Glow, donc base unifiante éclat, Perfecting Glow Primer. Et sincèrement je la trouve pas mal, le seul petit bémol c'est que je vous préviens, elle est légèrement teintée, parce que quand je l'ai prise... J'ai regardé, j'ai dit bah tiens, ça paraît tout blanc. Et puis tout compte fait, lorsque vous la mettez, elle donne pas vraiment un glow, je dirais, c'est pas du tout un produit radiance où vous avez, enfin, c'est pas légèrement nacré, c'est pas comme par exemple un produit comme celui que j'ai là, le Hello Flawless, ou le nom, ou Hollywood Flawless de chez, comment ça s'appelle, de chez... Charlotte Tilbury, c'est pas comme un produit BK, c'est pas tout ça, vous voyez, c'est plus légèrement teinté, je trouve que ça ressemble presque, je trouve, à presque une texture de CC crème ou de bébé crème, sincèrement. Le petit plus, je trouve que elle est, comment dire, c'est bizarre d'ailleurs qu'il lui ait donné le nom de Glow, parce que je trouve que elle est comme un peu... pas matifiante, mais je trouve qu'elle a un effet un peu velours sur la main, ça colle pas du tout, donc voilà. Sincèrement, une peau sèche, je la recommanderais pas pour une peau sèche. En revanche, une peau normale à mixte, sans aucun problème. Voilà, donc c'était chez Sephora. Chez Sephora aussi, un petit craquage chez Fresh, puisque donc j'ai pris deux, d'ailleurs j'ai pris deux produits pour, enfin... Ils sont connus pour leurs produits pour les lèvres. Donc le premier que j'ai acheté maintenant depuis un petit bout de temps. Hein. Celui-là, j'ai dû l'acheter au bon marché d'ailleurs. C'est celui à la pêche. Alors je ne vous cache pas que par rapport à celui que j'ai acheté précédemment qui est au citron, j'ai trouvé connu... Alors la pêche, il y a la couleur, hein, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'en termes de... De parfum sur les lèvres, j'ai... pas trouvé la pêche, je dirais, hyper présente, contrairement je trouve au citron qui est plus prononcé. De toute façon moi j'adore le citron, donc comme ça c'est parfait. Est-ce que j'ai encore un Kleenex pas loin de moi? C'est pas grave, je vais sortir une lingette démaquillante, parce que avec le rouge à lèvres que j'avais, ça y est, c'est fait. Et donc le deuxième produit, donc celui-ci c'est un teinté, c'est le Sugar Advanced Therapy, et j'ai pris la teinte Dream, qui est donc une teinte, vous allez voir, rose, toute simple, toute jolie, toute mignonne. Ils appellent ça Sheer Pink Lip Treatment. Voilà. J'ai trouvé d'ailleurs les baumes de chez, je crois que c'est chez Kiehl's, il me semble. Je trouve qu'ils sont un peu inspirés, enfin même largement inspirés de chez Fresh. Donc voilà, c'est un rose assez, assez doux. Et quand on le met, vous voyez, il est beaucoup plus transparent que certaines autres couleurs que je peux avoir déjà, comme tulipe ou même rosé ou autre. À la limite, il est peut-être un peu comme le rosé, parce que le rosé n'est pas trop foncé, mais par exemple, tulipe ou péonier, des choses comme ça, elles sont beaucoup plus teintées. Là, celui-ci, c'est assez discret.
Voilà. Ensuite, pour le teint, j'ai acheté la miniature pour commencer, un produit teint de chez Pharsalie. J'en avais terminé un. D'ailleurs, je pense que ça sera dans un numéro, bientôt dans un numéro de Je rachète ou pas, un numéro d'Empty Products. Là, j'ai pris donc le Skin Tune Blur. Donc là, ça va plutôt être... Alors, c'est ce que j'ai aimé dans la texture. En revanche, on va voir ce qu'il donne parce que je l'ai pas mis plus que ça. Déjà parce que j'ai eu un petit inconvénient, c'est qu'en l'achetant, quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte qu'il avait déjà été ouvert par quelqu'un et qu'il l'avait pas bien refermé, donc c'était assez moche. Ça, c'est le problème, je trouve, des produits on the go de chez Sephora, c'est que t'en as certains, ils se gênent pas pour essayer et puis ils laissent les trucs ouverts. Je me suis fait avoir aussi pour un... Je ne l'ai pas dans ce haul là, mais je vous le montrerai dans un autre. J'ai acheté des sticks de chez Milk. Et pareil, je me suis fait avoir. Donc, il faut absolument que je pense à regarder la prochaine fois quand j'ouvre. Bref, bon, c'est un produit avec une pipette. Je le pensais beaucoup plus liquide, à vrai dire, quand j'ai vu ça sur, chez certaines youtubeuses. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un format petit modèle? J'ai trouvé que la texture était assez rafraîchissante, assez hydratante. Donc blur, est-ce que ça va bien, efface, parce que je veux pas non plus un produit trop silicone, parce que j'aime pas. Là, je trouve que c'est entre les deux. Bref, voilà, c'est quelque chose à tester, je vous en reparlerai. De toute façon, je l'ai pris en petit format, donc voilà. L'avantage, c'est que si ça me plaît pas, je pourrais m'en débarrasser. Produit pour le teint, j'en ai quelques-uns. En premier, je suis allée donc au printemps de la beauté parce que là je voulais vraiment quelqu'un qui me... Parce que j'en ai marre d'acheter des fois ça s'appelle, des anti-cernes qui ne sont pas tout à fait la teinte qu'il me faut. Et puis j'avais envie qu'il me soit bien expliqué ce produit parce que j'ai vu beaucoup de pour mais j'ai vu aussi des contre. Donc je voulais pas me faire avoir parce que le prix est quand même... C'est pas donné, donc c'est un produit de chez Giorgio Armani. Il s'agit donc du nouvel anti-cerne. Alors il est déjà sorti il y a quelques mois, mais il fait partie de la nouvelle ligne. C'est donc le Power Fabric, donc ils appellent ça correcteur étirable haute couvrance ou eye coverage. Après c'est quoi, stretchable concealer. Alors moi je l'ai pris en teinte 4.5. Sincèrement je penserais que ça serait peut-être un peu foncé, puis non, on l'a bien essayé donc j'étais bien sûr au printemps au stand du printemps où officie l'adorable Dominique, qui est un maquilleur et un fou de beauté. Il est extraordinaire, je le connais depuis longtemps chez Armani et enfin je veux dire sur le CQ c'est quelqu'un de très connu, il est vraiment génial. Donc on a essayé le 4 et le 4.5 et effectivement c'est bien le 4.5 qui me va. Donc voici, il se propose comme ça en petite flaconnette avec un applicateur mousse, éponge. Ce que j'ai trouvé assez bien, c'est qu'effectivement, parce que je trouve que quand on le met, il y a un fini, enfin quand on le met, il paraît assez liquide et il se travaille vraiment bien et c'est vrai qu'il s'étire. Attendez, regardez, le peu que j'ai mis, regardez comment ça s'étire. Voilà, focus, merci. Et ce qui est formidable, c'est que effectivement, il a un pouvoir extrêmement couvrant, mais sans finir par être cakey, enfin, ou en tout cas un effet plâtreux, ou qui marque effectivement des petits plis de déshydratation, etc., ou même un peu la fatigue. C'est pas du tout le cas. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que c'est le genre d'anti-cerne que j'aime mettre lorsque j'ai pas du tout envie de me maquiller et que je vais, camoufler juste les petites choses qui ne me plaisent pas. Donc c'est-à-dire cerne, mais aussi rougeur au niveau des ailes du nez, peut-être une petite tache de soleil parce que je sais que j'en ai une ou deux ici. Hein, j'ai beau me protéger, mais bon, bref. Et puis des fois on peut avoir un petit bouton, un petit zit et on a envie de le cacher. C'est vraiment le produit par excellence. C'est vrai que jusqu'à présent je faisais ça avec le concealer mat en peau de chez Nars, que j'aime toujours autant d'ailleurs. Mais j'ai trouvé que celui-ci permettait aussi de s'en servir vraiment comme, non pas un fond de teint, mais en tout cas voilà, si vous avez envie de travailler votre teint très légèrement sans pour autant avoir un effet paquet et sans pour autant avoir à se maquiller trop par-dessus, voilà, ça peut faire,
ça peut faire son effet. Voilà, ensuite j'ai pris un autre anti-cerne que je n'ai pas encore travaillé, donc je ne vais pas vous en parler, mais j'étais assez curieuse donc du nouveau Marc Jacobs qui lui se propose non pas en flaconnette mais en stick. Donc il l'appelle le Accomplice. Donc ils appellent ça anti-cerne et retouche parce que effectivement j'ai vu beaucoup de tutoriels avec ce produit effectivement en retouche. Donc je vous montre le tube, bon, qui est assez joli, hein, qui est très chic, hein, c'est du Marc Jacobs dans toute sa splendeur. En revanche, niveau produit, c'est pas énorme puisque je vois que vous avez donc 5 grammes. Alors c'est combien ici? Ah ben, j'ai 6 ml sur l'Armani. Et là, bon là c'est pas en ml, c'est en grammes. Donc il doit y en avoir quand même un peu plus. Parce que vous allez voir, je vous dis, je m'en suis pas encore servie, mais c'est pas non plus le stick de la mort, quoi. Vous n'avez pas un volume énorme. En revanche, donc, ce que j'ai vu de ce stick, c'est que c'est un produit qui est extrêmement fondant. Ouais, là, c'est clair. Je l'ai à peine effleuré la main que j'ai déjà ça dessus. Et quand on le travaille, ah ouais, carrément, il est mortel, ouais. Quand on travaille, il est formidable. Donc, je pense que ça, c'est le genre de petit anti-cerne à avoir dans son sac à main. Lorsque vous voulez faire des retouches, peut-être avant de sortir le soir, quand vous passez directement du boulot à une petite sortie, je pense que ça peut être vraiment très très bien. Et c'est pareil, j'ai vu pas mal de vidéos où... Ben, je me demande si c'était pas une des sœurs Chapman d'ailleurs qui s'en servait juste comme anti-cerne et en mettre donc très légèrement, pareil sur les rougeurs, les ailes du nez, machin, étirer et ne rien mettre d'autre. C'est en revanche, c'est le genre de produit qui part super vite. Donc voilà, rapport qualité-prix, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Je vais peut-être me dépêcher parce que dis donc, j'ai pas fait beaucoup de produits et il y a déjà 12 minutes de passé. J'hallucine, je suis un peu trop bavarde. On continue donc avec rapidement un produit pour le teint que je viens juste d'acheter. Donc je vais pas vous en parler trop longuement. J'ai choisi donc le stick. Alors c'est plutôt un effet mat, le stick de chez MAC. Et là, il y a vraiment différents coloris parce que d'habitude chez MAC, je prends le NC20. Oui, c'est ça, NC20. Et là, c'est le NC17. Le NC20 était beaucoup trop foncé. Voilà. Pareil, ça, c'est pour un jour où j'ai pas du tout envie de mettre 3 plombes pour travailler un teint. 1, 2, 3. On étire au pinceau, c'est fait. Je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé. Ensuite, nous allons passer peut-être... Allez, j'ai des palettes un peu multi-usages, donc je vais vous en parler. Enfin, multi-usages, oui et non. La première, je vais vous parler d'une palette, Smashbox, qui est sortie il y a au moins, pas cet été, mais l'été d'avant. Voire peut-être même encore avant. Non, elle a juste 2 étés. C'est la Cali Contour. Alors, déçu que Sephora ne fasse plus Smashbox. Donc, en revanche, on le trouve sur le site Smashbox sans aucun problème. Puis, c'est un site Europe, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas tout ça. Mais c'est vrai qu'avant, j'aimais bien, en tout cas, essayer déjà les couleurs. Mais là, très sincèrement, je l'ai vu utiliser... par pas mal de youtubeuses et de maquilleurs aussi. Donc voilà comment elle se présente. Elle est c'est du carton, mais bien costaud. Donc je trouve que c'est pas mal quand on voyage. Et vous avez donc une série de bronzers, contours, blush, highlighter, bien pratique. Elle, c'est différent de ce que je vous ai montré par exemple avec Laura Mercier, parce que Laura Mercier, c'est vraiment plus deux blush, deux highlighters, un bronzer et un topper. Là, vous avez vraiment le bronzer ici, le blush là. Vous avez donc un highlighter ici, une couleur plus claire qui fait highlight, mais qui fait aussi, une poudre. Enfin, par exemple, une poudre que vous... 1, 2, 3, 4, 5, que vous pouvez mettre sous le contour de l'œil. C'est une poudre légèrement...
enfin, vous l'étirez bien, vous le mettez en contour des yeux, enfin en contour des yeux, sinon ça peut même faire un highlighter mat. Et vous avez effectivement, je dirais, donc un, soit un topper, soit un bronzer, comment dire, nacré, si je puis dire. Mais qui est vraiment très très jolie. Et cette palette, alors j'ai complètement oublié le prix, mais elle n'est pas hyper hyper chère. Donc j'ai, pour la qualité que c'est, je trouve que c'est un achat, comment dire... Un achat raisonnable, voilà. Donc ça, c'était la Cali Contour Palette. Une autre palette qui, je vois, est encore en vente. Donc c'est pour ça que je vous la montre, parce que celle-ci, je l'ai achetée quand même maintenant, il y a facilement 3 mois. Il s'agit de la NARS. Ils ont sorti donc deux palettes avec deux séries de... Enfin, une teinte... Enfin, des teintes plutôt chaudes, l'autre des teintes plutôt froides, mais c'est exactement le même concept. Moi, j'ai pris le Hot Night. Et vous allez voir, c'est une palette, je dirais, pluridisciplinaire, hyper pratique. Donc déjà, le packaging est assez joli. Donc moi, je vous dis, j'ai pris les teintes froides, sinon il existe les teintes plutôt chaudes. Et vous avez donc, sur cette palette, vous avez un bronzer ici, vous avez un highlighter ici, et vous avez donc ici 4 fards à paupières. Et j'ai remarqué donc que, étonnamment, les fards ici m'allaient mieux que les teintes chaudes. Et c'est vraiment donc une palette absolument délicieuse en termes de texture. Les textures sont poudre, mais presque à la limite du crémeux, tellement tellement les fards sont agréables. C'est vraiment c'est du pur plaisir à mettre sur la peau, enfin sur les yeux, la peau en l'occurrence, mais sinon sur la peau. Le bronzer est extrêmement joli. Il donne un teint vraiment réchauffé. Mais vraiment, vraiment, vraiment joli. Alors, l'highlighter, effectivement, peut paraître un peu foncé. Puisqu'il est comme ceci. Voilà. Donc, il a un côté quand même vraiment qui tourne vers le... Il a un petit côté quand même légèrement orangé. Mais je pense que je pourrais... Alors déjà, je jouerais à le mettre sur les yeux, ça c'est sûr. Et je trouve légèrement en topper d'un blush, ça peut être parfait. Et donc j'ai remarqué, parce que... Donc celle-ci, moi je l'ai achetée au stand de NARS du printemps. Mais je sais que Sephora a fait ses palettes. Et il me semble qu'il doit rester... Il me semble qu'il en reste un petit peu. Alors par contre, je ne sais plus si c'est la variation chaude ou froide qui est au printemps. Et sinon, je crois qu'il en reste... si ce n'est en boutique, vous devriez pouvoir encore en trouver sur internet pour le site Sephora. Voilà. Puisque je parle de NARS, très rapidement, j'ai fait l'acquisition d'un blush il y a maintenant quelques temps. Il s'agit donc de la teinte Amour, sur laquelle j'ai totalement flashé. Vous savez que pour moi, moi j'adore les fards à chaud, enfin les blushs NARS. Pour moi, ça fait partie de mes préférés. Voilà, j'ai craqué pour une teinte, alors je sais pas là avec la lumière, ça me paraît, ça paraît beaucoup plus clair à l'écran de contrôle, mais il s'agit d'un rose, je sais pas comment expliquer, c'est pas un rose vraiment orangé parce qu'il est plutôt froid, mais il a quelque chose de, c'est pas un rose bleuté lambda. Il est vraiment très très beau. Je vous préviens, c'est très pigmenté. Donc moi qui ai plutôt une peau claire, j'y vais avec la main légère. Parce que sinon, je peux vite ressembler à un clown. Mais j'adore la tonalité de ce fard. Parce que donc il y a un petit côté un peu, je dirais, rose un peu éteint. Que je trouve parfait à mettre l'hiver. Vraiment, je trouve ça très très joli. Donc bref, gros coup de cœur. Puisque je vous parle de blush... Ça, je veux vous en parler depuis je sais pas combien de temps. Voilà, j'ai commandé, hein, parce que c'est payé de ma petite poche. Là, c'est pareil, j'ai un trou de mémoire. Je ne me souviens plus si je l'ai commandé sur
Cult Beauty sur Beauty Bay ou je sais plus bien. Parce que figurez-vous que la marque... c'est la marque... mince, comment elle s'appelle déjà? C'est Beauty Bakeries qui fait ça. C'est Emily Noël qui est fan de ce coffret. Enfin, de cette palette pour les joues. Alors voilà, hein, elle est beaucoup plus petite parce que là, elle était dans son... dans son étui mignon. Alors, je vous cache pas que je vais enlever ces espèces de petits de petites boules de coton qui sont accrochées parce que ça s'appelle Cotton Candy Champagne, donc la palette. Et à l'intérieur, donc vous avez quatre blushs qui sont donc si je puis dire pailletés, mais pas avec des paillettes, des morceaux de paillettes moches. C'est infusé de paillettes et sincèrement, ça vous donne un glow au niveau des joues. C'est sublime, hein, je l'ai déjà mise. Elle est sublime. Alors, cette teinte est un peu foncée. Donc vraiment, moi j'y vais avec un pinceau duo fibre pour y aller léger. Mais les teintes sont sublimes. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà les trois. Et voilà ce que ça donne. J'adore. Voilà, vous voyez, il y a vraiment un glow. Mais alors, au niveau de la tenue, impeccable. Ça vaut vraiment le coup. Et j'ai trouvé que pour 4 fards, le prix était vraiment pas du tout excessif. Donc, je vous remettrai de toute façon, je vais regarder dans mes factures sur quel site je l'ai acheté. Mais vraiment, donc c'est un grand coup de cœur pour moi. Vraiment, j'adore. Et je vous dis, Emily Noël en est tellement fan, elle n'arrête pas d'en parler. Je me suis dit, bon, je teste. Et effectivement, je regrette pas du tout ses conseils parce que c'est vraiment à la hauteur. Je vais vous parler aussi de... Bah, pareil. Ça, j'ai acheté ça. Alors, ça doit être sur... pour le coup, j'ai dû peut-être en prendre une sur Beauty Bay et l'autre sur Cult Beauty. Ou toutes les deux sur Beauty Bay, je sais plus. Il s'agit donc de palettes de la marque Viseart. Viseart, je vous en ai déjà parlé. Alors, ça y est, les produits sont arrivés chez Sephora, en tout cas sur Internet. Sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas... Si vous voulez, par exemple, là, je vais vous montrer une de leurs palettes théorie. Normalement, les palettes théorie, je crois que vous devez en avoir facilement 6. Et là, enfin je sais pas, il y en a peut-être une ou deux, peut-être à tout casser, donc bref. Et puis cette palette, je la voulais absolument, je la ziote depuis qu'elle est sortie. Et c'était en exclu, enfin c'était aux États-Unis pendant des mois et des mois. En plus de ça, c'était une exclu, je sais plus si c'était une exclu, c'était pas une exclu Ulta. Si, peut-être, je sais plus, enfin bref, elle était en exclu dans une enseigne. Après, ils ont commencé à la vendre un peu ailleurs, bref. Je la voulais absolument, c'est la rosée Edith. Je commence par la palette théorie et là j'ai dû prendre la cachemire si je ne m'abuse. Oui, c'est la théorie 1 cachemire. Donc celle-ci, ce sont des neutres froids. Elle existe en neutre chaud, elle existe en orangé, enfin bref. J'enlève le petit opercule, voilà. Cette palette est formidable. Alors vous avez un petit miroir, mais voilà. Viseart, je vous en ai déjà parlé, donc c'est une marque française, les créateurs de cette marque sont français, je crois même que la fabrication, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais la fabrication est en France, sauf qu'en France, pour la trouver, laisse tomber. Donc j'ai pris le principe, pardon, de cette palette, c'est d'avoir un rang mat et un rang un peu plus nacré ou un peu plus métallique. Et ce que je trouve vraiment génial avec cette palette, c'est que vous pouvez faire énormément de looks avec ces 6 fards qui sont pourtant dans les mêmes tonalités, hein, et ce sont des tonalités froides. Perso, les fards, j'en suis dingue. Je me suis déjà fait un make-up avec et d'ailleurs, j'ai dû faire une vidéo, je la portais. Mais au niveau de la pigmentation des fards, bah, c'est de la folie. J'ai pratiquement pas appuyé sur les fards et voilà ce que ça donne. Vous avez quand même, au niveau de la pigmentation, c'est du lourd. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première palette que j'ai pris chez Viseart. Donc, je ne vous cache pas que je vais en prendre d'autres. Je pense que la prochaine que je prendrai, c'est la nuancée. Et puis, ouais, il y en a d'autres super jolies. Et puis, voilà, mon petit craquage, c'est la Rosée Edith. Et puis, vous allez comprendre tout de suite pourquoi.
Vous me connaissez, j'aime plutôt les teintes, enfin j'aime bien les teintes un peu rosées, violettes, etc. Donc il s'agit du même principe de palette, c'est-à-dire qu'elles sont, comment dire, parce que vous avez des palettes avec des boîtiers plastiques. Vous avez comme celle que j'ai achetée aux États-Unis, c'est la petite Pro 1 moi que j'ai pris, c'est donc un packaging cartonné et magnétique. Et donc pour la visière que je vous ai... Enfin, pour la nuance que je vous ai... Pardon, c'est pas la nuance, c'est la théorie cachemire que je vous ai montré. Pareil, donc il s'agit d'un emballage cartonné. Là, c'est pareil. Donc, il s'ouvre, vous avez un petit miroir. Et surtout, ici, vous avez donc, au lieu de 6 fards, vous en avez 12 qui sont plus petits. Mais il n'empêche que, voilà la merveille. C'est sublimissime. Et alors, ce que je vous ai pas dit sur la précédente, mais c'est la même que pour celle-ci, les fards s'enlèvent. C'est magnétique, les fards s'enlèvent. Et vous pouvez donc mettre ça dans une plus grande palette. Ça, je trouve ça vraiment génial. Alors, niveau texture, je vous laisse imaginer que c'est exactement la même qualité que les, que ce soit la petite Pro ou que ce soit donc les théories. Les textures sont de la folie. Les fards sont hyper pigmentés. Je crois que c'est Stéphanie Nicole, il me semble, qui est une grande fan de cette marque et elle fait des revues de dingue. Alors, je vous cache pas que lorsque j'aurai les moyens, parce qu'elles sont pas données, je crois qu'elles sont dans les... 130 ou 150 euros, vous avez des grandes palettes, c'est les grandes pros justement. Bon, elles sont pas données du tout, donc voilà, 3 swatchs, on essaye. Putain, c'est de la folie. J'ai à peine effleuré les fards et regardez comment c'est pigmenté, c'est vraiment de la folie, franchement c'est phare, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque et que j'étais assez déçue, parce que chez Sephora, franchement, quand j'ai vu sur Instagram, ils ont montré donc leur présentation de Noël en disant oui, Viseart arrive, etc., j'étais super contente, et puis quand j'ai vu ce qu'il y avait donc sur internet, et ben franchement il n'y a pas grand chose, donc j'étais, je vous le cache pas, donc plutôt déçue. J'espère que au fur et à mesure du temps, Sephora référencera plus de produits, parce que franchement, j'adore. Je vous ai parlé de palette, celle-là je l'ai achetée il y a un petit bout de temps, elle est même encore dans son étui. Alors celle-ci je l'avais achetée avec mon bon anniversaire, parce que très sincèrement je suis pas sûre que je l'aurais achetée comme ça si j'avais pas eu le bon anniversaire, parce que le bon anniversaire c'est le prix de la palette. J'ai pris donc la néon et la rose. Voilà, donc je vous la présente pas parce que je pense que vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu plusieurs revues dessus. En revanche, je sais que très très prochainement je m'achèterai donc, Huda Beauty a sorti donc trois palettes, trois petites palettes, enfin c'est-à-dire ce format-là. Nude, vous avez Nude Light, Nude Medium et Nude Deep. Je prendrai, je pense, la plus claire parce que c'est les couleurs qui, ce sont les couleurs qui m'intéressent le plus. Donc voilà, je vous ai parlé précédemment, je pense que cette vidéo a été mise avant, je vous ai parlé d'un haul au Nocibé. J'ai complètement justement oublié de vous parler de ce produit là, quand je vous parlais justement des prix, je sais plus si c'est dans cette vidéo ou une autre, vous voyez que j'ai un trou de mémoire. Quand je vois le prix des fards à paupières, par exemple Chanel, mais ça peut être Saint Laurent, Dior, etc. Quand je vois le prix de leur palette de 4 fards, qui sont même plus chers que des palettes comme celle d'Urban Decay, je me dis que ben, au fur et à mesure, j'achèterai plus ces marques-là. Et c'est dommage parce que franchement, je trouve que Chanel, par rapport à d'autres marques luxe françaises, je trouve qu'au niveau des textures, il y a souvent des... Enfin, il peut y avoir des trucs nuls, mais ils ont souvent de bonnes idées. Des idées en tout cas qui ne sont pas... qu'on ne voit pas souvent sur le marché. Et là, en l'occurrence, j'ai quand même craqué parce que j'ai trouvé que la texture était sublime. Alors, ça, c'était genre... Ça, c'est la collection qui est sortie à la fin de l'été. Il s'agit donc... Oui, ils ont fait une collection genre noir et blanc. Et donc, moi, j'ai pris le numéro 332 Noir Suprême. Alors, vous allez halluciner parce que c'est pas du noir. Hein. Mais ce sont des fards assez foncés. Alors, j'aime bien parce qu'ils ont quand même des petits... C'est pas des embouts mousse, c'est quand même des petits pinceaux.
Il y en a deux. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà les fards. Alors, vous allez dire, oh là là, c'est foncé. Oui, mais la texture est hyper intéressante. Elle est extrêmement douce. Et je trouve qu'il y a comme un petit côté glacé au niveau du fini. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, vous avez donc une teinte plutôt dans les bruns et l'autre plutôt dans les kakis, là. Que je trouve assez intéressante. Et puis sinon, vous avez donc un très joli gris noir et un violine, on va dire, que je vais mettre tout de suite là. J'ai mis le noir ici, voilà. Enfin, c'est un noir gris, hein. Voilà. Mais si vous voulez, le fini est hyper intéressant. Donc, je me suis dit que ça ferait... ça ferait des jolis compos au niveau des yeux, parce que je pense que vous pouvez les travailler vraiment en smoky, c'est vrai. Mais vous pouvez aussi travailler ces fards de façon nettement plus transparente. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. En revanche, effectivement, je trouve que les prix sont devenus exorbitants pour ces marques-là. Et je vous avoue que je pense que je vais finir par les boycotter, même si, hélas, il y a de très intéressantes nouveautés. Donc, si ces marques pouvaient réfléchir, ça serait plutôt pas mal. J'ai encore quelques bricoles à vous présenter. Je vais commencer par Hourglass. Alors, j'ai acheté leur fameux mascara Caution de chez, de chez Hourglass. Je ne vous montre pas la brosse parce que je ne veux pas commencer. Mais le packaging est extrêmement luxueux. Je vais vous dire qu'il pèse son poids, le petit coco. Et je n'ai vu que de bonnes critiques sur ce mascara, donc encore un autre à essayer. Et puis j'ai voulu prendre leur fard leur fard à paupières, un peu dans... Il ressemble un petit peu au fard que j'ai acheté donc chez Tarte. Chez qui aussi j'en ai acheté. Ce sont des fards qui sont assez je dirais pailletés. Parce que c'est vrai que la paillette revient en force après des mois, voire des années de mat. Et c'est pas plus mal. Alors, j'ai pris deux couleurs qui me plaisaient. Je sais qu'il y en a des nouvelles qui sont sorties. La première que j'ai achetée, parce que l'autre était en rupture. Donc voilà, c'est exactement d'ailleurs le même packaging que chez Tarte. Puisque donc il y a cette espèce de petit opercule. Alors, celui-ci, donc il s'appelle Smoke. Voilà, je vous le montre là. Donc, bien sûr, vous reconnaissez là des teintes que j'aime particulièrement. Alors, sincèrement, sur les... Enfin, en ligne, les couleurs, celui-ci, je le voyais beaucoup plus taupe. Et très sincèrement, il a une petite touche, je dirais, de doré en plus. C'est-à-dire que je ne trouve pas que ce soit une couleur totalement froide. Mais c'est pas grave. Et j'ai acheté la couleur Aura, pardon, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, elle a été longtemps en rupture. Et vous allez voir, c'est un très très joli rose. Et ça, je trouve que ce sont des teintes qui mettent l'œil en valeur. C'est légèrement un rose gold, hein, légèrement, parce que je trouve qu'il a quand même une petite teinte. Vous avez quelques paillettes argentées plutôt dedans, donc qui donne un côté un peu plus froid que un rose doré. Voilà. Donc, voilà pour Hourglass. J'en ai bientôt terminé parce que j'ai quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Très rapidement, j'ai acheté donc l'eyeliner Better Than Sex. Je l'ai essayé qu'une fois celui-là. Bon, j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal question tenue. Donc, on en reparlera quand je l'aurai un peu plus mis. J'ai craqué aussi pour un produit de chez Bobbi Brown. Je vous avais déjà parlé des rouges à lèvres Crushed. Là, j'ai pris le Crush Liquid Lip. Donc, eux, ils appellent ça rouge à lèvres encre. Je l'ai pris en couleur Bittersweet. J'ai beaucoup aimé ce produit. Alors, ça se propose comme ceci. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à un rouge à lèvres liquide. Sauf que... Attendez, j'enlève parce que j'ai un petit... Une espèce de petite peluche. Voilà. Donc, voici la couleur. Un rose, bien entendu, que vous vous y attendez. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que si vous l'appliquez... Enfin... Voilà. Il a, si vous voulez, presque...
presque la consistance d'un baume. En tout cas, c'est très très confortable en termes de, tenue, en termes de texture. C'est très confortable. Et pourtant, ça a la tenue pratiquement d'un rouge à lèvres liquide, donc sans avoir ce côté desséchant. J'ai trouvé ce produit vraiment très intéressant. Je pense que j'en rachèterai d'autres. Bon, c'est pas donné, hein. C'est le prix des rouges à lèvres, Bobbi Brown, hein. C'est pas le prix d'un baume à lèvres. En revanche, j'ai bien aimé le fini, la texture, la tenue. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt positif. Puisque je vous parle de produits pour les lèvres chez Marc Jacobs, alors là, ça fait partie de la collection, de la nouvelle collection. C'est du one shot, hein, donc si ça vous plaît, ne tardez pas trop à l'acheter. Il s'agit donc du To The Moon. C'est un Enamored, donc c'est un Dazzling Gloss Lip Lacquer ou lac à lèvres scintillant. De toute façon, par son packaging, vous avez bien compris que ça allait en mettre plein la vue. Donc la couleur To The Moon. Et alors déjà le packaging, hein, classique de chez Marc Jacobs, mais avec les paillettes en plus ici. C'est un rose, vous n'êtes pas étonné. Mais c'est un rose avec, pareil, des paillettes en plus. Enfin, des paillettes, non, pas vraiment, c'est un côté duochrome. Je sais pas si vous allez le voir, mais je sais pas si... Là, j'ai pas l'impression sur l'écran de contrôle que ça se voit, mais il y a un côté duochrome dans ce gloss que j'ai trouvé très intéressant. Puisque je vous parle de duochrome, c'est pareil, j'ai pris un des Crystal Whips, qui est un Shimmering Eyeshadow Veil de chez Too Faced. Ils promettent 12 heures de tenue, c'est vrai que ça tient super bien. La couleur, c'est Club Kid. Bon, rappelez-vous que sur le blog, je vous mets toutes les références, comme ça vous n'êtes pas perdus. J'adore ce produit. Sylvie, je sais que tu as craqué aussi pour la même teinte. Ce que je trouve assez génial, c'est que ce produit, vous le mettez comme ça et il est vraiment duochrome. Parce que là, vous voyez, il paraît dans les marrons. Il est plutôt dans les violines. Et vous avez même des reflets verts dedans. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Attendez, que je vous fasse... Ah, focus, mon petit ami. Est-ce qu'il veut bien? Non. Voilà. Regardez, là, vous voyez un peu de rose. Et puis après, regardez comme ça, il paraît marron. Et puis sur d'autres, il y a un petit côté vert. Enfin bref, j'adore parce que c'est totalement... Enfin voilà, ça vous fait un maquillage simple et qui paraît un petit peu chiadé. Parce que moi, j'en mets juste sur la paupière, j'estompe, basta, c'est terminé. Pareil, un produit super pratique, c'est RMS qui fait ça. Alors celui-là, j'ai dû le commander sur Beauty Bay, je pense. C'est un Lip to Cheek. J'en ai déjà un qui est beaucoup plus couleur coquelicot. Celui-là, je trouve que c'est un peu plus hivernal. Voilà, c'est une teinte que vous pouvez mettre aussi bien sur les joues que sur les lèvres. RMS, c'est une marque qui n'est pas donnée, mais qui est une marque bio. Pareil, alors il n'y a pas de conservateur. Donc attention, hein, en termes de durée de vie, là pour le coup, peut-être que ça peut tourner un peu plus que d'autres. Et puis cette fois, pour terminer, je vous montre très rapidement ce très très joli vernis à ongles que j'ai eu dans la box, que j'ai acheté, la box qui est une collaboration entre Birchbox et Monoprix. Et il y avait plein de choses dedans, je ne vous ai pas montré parce que je me suis dit oh, vous étiez peut-être pas intéressé. Mais bref, il s'agit de ce vernis-là et je le trouve sublimissime. Et puis aussi pour terminer, pareil, je ne sais plus si j'ai acheté ça sur Look Fantastic ou sur Beauty Bay ou Cult Beauty, je ne sais plus. Mais bref, j'ai fait l'acquisition du Makeup Brush Cleaner de chez Cinema Secrets. Il paraît que c'est le meilleur du marché. Donc bah c'est pareil, quand je m'en serai servi, je vous en parlerai. Cette fois, c'est terminé. Sur ce, mes chéris, je vous dis à très vite. Et sur ce, portez-vous bien. Salut !